on est 5 sur 1, ça fait plaisir. Hein. Merci à tous ceux qui sont là. Si vous n'avez pas follow, on follow les gars. Hein. Pour les prochains jours, pour les notifs, tout ça. Et on peut aussi rejoindre le Discord, comme d'hab. J'y mets le planning des lives, les vidéos qui sortent, etc. etc. Que là, tu vas faire l'équipe si Wawa joue le Bayou à poids. Ouais, c'est le problème. Après, est-ce que Anacona et Rosa sont pas loin d'avoir les mêmes stats que Ellie, hein. J'ai failli simuler. Oh, Warren plus 5, performance remarquable. Plus 4 pour Nero. Performance remarquable aussi. Du coup, on va se concentrer pour aider Quintana, je pense. Je pense aussi. Après, je pense que ça va faire des déçus de pas avoir Wawa à poids sur les champs, mais... Est-ce que vaut mieux avoir Nero en jeu ou Wawa avec les poids? Je pense qu'on est d'accord. Bonsoir, le vassal. Poum, 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 poum. Perdre du temps à Chalon parce qu'il va perdre du temps au contre la montre. Ouais. Je sais pas, moi, si on peut remercier Wawa pour tout le travail qu'il fait et le placer dans le top 10, je prends. Hein. Ouais, avec les poids. Oula, il y en a, vous perdez la tête. Hein. Moi, je préfère avoir le jeune quand même. Hein. Enfin, triplé de victoire pour l'Arkia. Bah là, on est déjà bien. Là, on est déjà sur un tour réussi. Là, hein. 2 victoires d'étape. Sur la photo de Nero. Nero qui débarque sur le chat. Hello. Allez, mon Nasser, on compte sur toi là. Il y a un maillot vert à aller chercher. Bon, allez, on va se reposer parce qu'après il y a les deux étapes du massif central. Puis il y aura. Il y aura Toulouse. C'est Toulouse ou Albi en premier, je crois. Non, c'est Albi en premier, puis c'est Toulouse, je crois. Non, c'est Albi en premier. Ah non, mais après, vous voyez la force qui a été cherchée d'aéro dans les dernières pentes. Vous savez, les petites pentes, bon là, c'est pas en gravier, c'est pas sur de la terre comme en IRL, mais c'est grâce à ce mur de Wawapo 1. Oh là là. Quand même, il a vu ça, il s'est dit pff, terminé. Alors, Romain Anacona. Après, Anacona, s'il a des stats comme ça dans les étapes de haute montagne, peut faire le taf en. Après, et même Ellie en vrai. Hein. En fait, Ellie, 78 montagnes, je pense que ça va être juste, mais il y a moyen qu'ils se battent. Hein. Ça serait tellement beau de ramener le maillot avec Ellie. Quel coureur, deux fois Nero. Hop là. Ruine acquis. Toulouse en premier. Faut que j'ai Berkintana, on verra. Quoi qu'il arrive, je me concentrerai sur Nero. Le sprint est très proche de l'arrivée là quand même. Hein. Oh, quoique 35 bornes. C'est vrai, putain, mais. Eux, ils ont l'art de mettre des étapes toutes plates de 230 bornes quand même. Hein. C'est incroyable. Hein. Mais qu'est-ce qu'on se fait chier? Oh là, c'est la sieste de l'après-midi de juillet, ça. Hein. Ça va manquer par contre s'il n'y a pas le tour. Hein. Tu sais, les étapes toutes plates où tu tapes ta meilleure sieste, tu te réveilles, t'as 10 bornes, quel plaisir. Ou alors tu le loupes et tu vois les interviews. C'est vrai, ça arrive aussi. Nero est pas dégueu en chrono. Nero est pas du tout dégueu. C'est pour ça que pour le général, il est bien meilleur que Warren. Par contre, il faudra le remercier d'une manière ou d'une autre. Il faut le faire gagner une étape, Warren au moins. Parce que le travail qu'il est en train de faire. Parce qu'avec Warren, on pouvait gagner facilement hein, avec les notes qu'il avait à la planche.
Oui, c'est d'abord Albi, il me semblait bien. Il y a eu des chutes, il y a eu pas mal d'abandons. On a déjà Primoz Roglic qui a quitté la route. Pour Creusot qui est en jaune. Au moins ça fait pas de problème de leadership, mais au moins on n'a pas deux monts sur le dos. Et il y a Bourman aussi qui a abandonné. Donc déjà deux gros abandons. Hamilton. Bon, il y a eu le hors délai habituel de la première étape, ça on connaît. C'est beau quand même un petit maillot à poids qui va chercher les bidons. Je rêve ou il est devant? Ah non, c'est pas Cyril. Ok, j'ai eu peur. J'ai cru que Cyril Gauthier était devant. Il a nous volé le maillot sur une étape toute plate. Il a 75, je crois, en chrono, Creusot. Ça va être dur de le battre, hein. Salut, il a nous. Aussi le Dauphiné. C'est vrai. Arthur. Attendez 2 secondes. C'est ça qu'il propose. Ah mais il m'a envoyé aussi un truc. Maillot à poids, le lien. Le lien. Au pire. Attendez. Au pire, attendez. Je vais vous les mettre Au pire, attendez. On va vous les mettre dans graphisme. Il y a un channel graphisme sur le Discord. On va vous les mettre là. C'est plus logique. C'est bien. On va vous les mettre par là. Sprint, t'inquiète. Je répondais juste à Arthur. Pas le sprint. Non. Là, il y a que 2 points pour le maillot vert. Non, 4. Ouais, parce que Sagan était passé. Ouais, il y a très peu de points, quoi. Entre nous, Sagan et Gaviria, entre les deux. Même si on a fait 8ème sur la première étape, on s'est bien rattrapé. En allant chercher une 4ème place à Nancy. Maintenant, il va falloir faire mieux et aller chercher un podium aujourd'hui. Si on prend un podium, moi, je suis très content, là, avec Nasser. Hein. En plus, vous le critiquez, vous croyez pas en lui. Quand hier sur la planche, un bonnet dans la descente, dans une descente de col, il est tombé. Et Bourman l'a encore lavé à Colmar. Ils sont que 3 devant, hein. Donc encore 13 points à aller chercher. C'est un sprint important. Oula, on va être gêné là. Oh, c'est pas possible, sérieux. Allez, Nasser. Allez, Nasser. Oh, on va passer en tête. On va passer en tête du peloton avec Nasser et provisoirement. On va être devant là, c'est sûr. Un point de Sagan et on est passé devant Gaviria. Ça, c'est. Non, mais. Qu'est-ce que tu fais, toi? Reviens. Ok, parfait. On est placé. Bon, y a pas de vent. Hein. Faire gaffe au vent qui va arriver après le massif central aussi. Allez, qu'un point avec Peter. J'ai l'impression que Boigny est en forme aujourd'hui. Ce qui est dommage, c'est qu'il a pas une forme de ouf. Du coup, là avec des plus 3, il a pas des gros up en sprint. Tadam. Un peu de vent. Ouais, pas ouf, hein. Il y a que 17 km/h, donc ça sert à rien de tenter un truc. Vas-y, j'en peux plus, il se passe jamais. Voilà, parfait. Non, mais... Oh, c'est encore pire, Warren. Allez, parfait. Allez, mon Ellie. Rattraper l'échappée, t'inquiète, ils sont que 3. Il y a que 20 secondes, il y a plus que Langevel des Prades. Et on va avoir un sprint massif.
À Chalon-sur-Saône. Allez là. Gros travail de l'équipe, c'est important de placer nos leaders. Vas-y, j'en peux plus, ils se font bloquer tout le temps. Le train est long, ok, mais quand même. Laissez-nous être heureux. Parfait. Aux chutes dans le peloton, il a été pris en solo, je crois. Allez là. Bouddha, il sert vraiment à rien. Même l'étape toute plate, il la tient pas. Je suis mort. Oh, Joe qui lâche le follow. C'est beau ça, Joe. C'est beau, c'est beau. Comment ça va, mon pote? Allez, là ça étire. Là, les sprinters sont un peu moins bien placés. Fuglsang est tombé? Ok, ça c'est une bonne info ça. Bien vu les mecs. Bien vu les gars. Allez! Allez Nasser! On croit en toi! On croit en toi mon Nasser! Allez Daniel qui lance! Nasser dans la roue! Allez mon Nasser! Au coude à coude avec Jasper Stuyven Arne démarre! Allez, 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 allez! Oh il va pas les passer, c'est terrible! Quintana? Mais Nasser deuxième! Doublé français à Chalon-sur-Saône. Quintana, on va y aller mollo, hein, parce que sinon voilà, les commentaires dans le chat, ça va commencer à dire, tu gagnes deux fois, tu fais quatrième d'un sprint massif. Moi, je trouve qu'il y a des petites suspicions qui vont arriver. Je crois qu'on va freiner un peu le Colombien. Hein. Nero, calme-toi. Hein? Je sais que t'es heureux, t'es en bonne forme, mais quand même. Par contre, voilà, ils sont mal placés avec le vent, mais ce qui veut dire quand même. Normalement, s'il n'y a pas de clim, Victoire d'Arnaud démarre. On fait deuxième. C'est beau, une deuxième place sur le tour. Jasper Stuyven, ça me rappelle la victoire de démarre devant. Devant. Putain, c'était qui? C'était l'autre français là. Comment il s'appelle? La Cofidis, la porte. Quand il n'y avait plus personne. Et ça gagne pas là. Hein. Non, mais je pense qu'ils ont été mal placés avec le vent et tout dans le final. Ça a créé quelques problèmes. Nero qui passe cinquième à la place. Donc ça, c'est bon. Mais surtout, Elia Poix. Mais en vert, c'est Nasser! Nana! Ne le critiquez. Ne le critiquez plus jamais, Nasser! Voilà! Il sera comme ça sur les champs! Nero contrôle. Vas-y, arrêtez! Eli, il est quatrième en blanc. Hein. Team Arkea, meilleure équipe. Maillot à poids, maillot blanc, deux victoires. Tu vas relancer juste pour mettre un médecin. Merde, j'ai fait quoi? Attendez, faut mettre des maillots parce que je vais pas me porter l'œil, on va pas enregistrer maintenant le jeu. Voilà, parce qu'on s'attend pas à la voir, bien évidemment. Ok, parfait. Ok, on est bon. Le coq n'est pas là, mais le coq, il est mauvais. Hein. Après, voilà. Nous, on est en vert. Le coq, t'as pas fait un seul résultat sur le tour. Même pas, il est dans le peloton. Voilà, quoi. Sinon, si, il est là sur le tour. Mais il a à chaque fois lâché, le con. Même sur des étapes toutes plates. Pourquoi il n'y a pas d'étape? Jour de repos. Les jours de repos sont restés sur les anciennes dates ou c'est comment? C'est quoi ce truc? Lecteur m'abuse, super. Pourquoi journée de repos? Je comprends pas. D'accord. Ils ont mis la journée de repos là. Et en plein milieu des Pyrénées. Ouais. Oh.
Bien joué les gars. Bien, ça c'est ce qu'on apprécie ça. Tu vois, il intègre la IA. Bah, je sais pas. Hein. Toon, toon. Bon allez, là c'est synthé. Bon il se passe quoi là? Pourquoi il y a 10 000 simus? Enfin, on s'est arrêté quand? Normalement après les Pyrénées. Pareil 4. Pour le moment on est bien placé. De victoire avec Quintana, à Colmar et à la planche. On est maillot vert avec Nasser. Là c'est à la deuxième place qu'on vient de faire à Chalon-sur-Saône, derrière Desmar, et on est maillot à poids avec Elie Geber. Ça te nique ton pic anticipé. Effectivement. Effectivement, bon, on verra bien. On verra bien, on verra bien. Mais là, oh là là, mais. Plus 5, plus 5, plus 4. Il y a du vert partout. Même Thomas qui est pas en forme, il a un plus 1. Parce qu'il est quoi? Course favorite. Ah ouais, ça se voit. Hein. Bon. Là, va falloir suivre. L'objectif n'est pas. Ouais, si on peut reprendre du temps, on le fait, hein, mais. De calmer les piqûres, super. Viviani invisible, il a gagné la première étape Viviani. Mais depuis ça, c'est vrai qu'il a loupé les deux autres sprints. Nasser échappé. Ouais, il y a moyen hein. Ouais, je pense qu'on va le faire. Surtout que Dessa gagné tout risque de passer et de prendre des points à l'arrivée. C'est du 30 points vu que c'est classé en vallon. Faut le jeûner rapidement. On a le temps les gars. Après le truc c'est que Crespo il va être très dur à battre hein. Des légendes, non. Très fun et difficile à manier. Non, pas du tout. J'ai jamais téléchargé et testé des trucs des DB comme ça. Ou genre DB 2003, 2010 ou quoi. Je sais pas, c'est pas ce qui me plaît dans le PC, mais en vrai. L'Italie, c'est Trentin. Paco. Salut à toi. Oh! Hey. Les barres font la gueule quand même, hein. Les chargements sont longs, hein. Je sais pas pourquoi. Pam, 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 pam. Oh là là, qu'il est beau Nasser. Oh, il est beau, il est beau. Oh là là. Vous savez quoi? Moi, j'ai envie de faire plaisir. Ah. Déjà les deux. Voilà, parfait. Hop. Alors. Faire ça, hein. On va voir un Geber pour les poids. Puis pour le sprint inter. En plus, il y a une grosse échappée qui est en train de se former. Donc ça, c'est très très bon. Pour reprendre de l'avance. Bon, n'abusez pas trop non plus. Hein. On va se retrouver à 18. Faut juste surveiller. C'est que on n'est pas. Voilà, le fameux. Il est encore là, le Cyril. Donc on va encore avoir une petite bataille pour les poids. Mais ça fait du bien. 24 bornes. Est-ce que j'ai le temps? Est-ce qu'on fait un pari? Je pense que j'ai le temps. J'arrive, hein. Je me dépêche. Mais je dois pisser les gars. Normalement j'arrive à temps.
l'ai raté ou pas? Bah regardez, qu'est-ce qu'on est bien, on est large. Il a intégré le peloton. Ah ouais? Zut. Ça va Nero? On est 17, hein. Y a pas de points à prendre, on va reprendre 20 points d'avance en plus. On a déjà une petite avance hein, vu qu'ils ont foiré le sprint la veille avec le vent. Allez Nasser. On va protéger Gébert 2 secondes et après on va se relever qu'au pied du col. Que des Nero, bah je sais les gars. C'est pas comme si chaque fois que je pars et que je reviens, vous faites la même blague quoi, hein. T'autorises à mettre pause. Bon mais gros. Autant que vous voyez du vélo, non? Regardez, il y a eu du spectacle en plus. Oh mais j'avais pas vu. Ça dérange le truc instant gaming, non? Mais attendez. C'est que ça dérange ce truc. J'avais pas vu, vous me dites rien. Bon, si vous me dites rien, c'est que ça doit aller, mais... Oh, terrible. Regardez, hop. Et hop là, voilà, parfait. Nickel, faut boire. Oui bon, deux secondes, j'étais occupé les gars. Faut boire, faut surtout jouer les points, ils buveront après. Il y a quand même beaucoup de points aujourd'hui à prendre. Hein. Par contre, c'est vrai que si on arrive avec pas mal d'avance avant la haute montagne, on sait jamais. Hein. Allez, il y a GVA, il y a Powells, il y a Gauthier encore. Non, c'est bon. Parfait. On va faire ça, et là on va faire ça. Ouais. Peut-être j'aime la ville où j'habite. Ah bah, ouais. Bon, nickel, ok, pied. Bah, tant qu'il est là, autant s'en servir un peu. Après, il se relèvera dès que les cols vont s'enchaîner, donc je pense au prochain. Ah mais attendez, en vrai, vu sa note vallon. Non, il peut pas passer, mais... Au pire, il se reposera demain, on le fait tenir tout le plus possible, non? À 35 km de l'arrivée, le jeu n'est à plus de 2 minutes 30, résultat tout le monde en même temps. Voilà, les snaps de plaine, ça. Oh, mais les blocs, horribles, hein. Ouais, normalement, on passe, là. Allez, il y a 5 points à aller chercher, va chercher Powells. Allez, allez, Eli, passe, passe. Il est pas passé. Il a 4 points, ok. Là on est passé en tête devant Gauthier. Et là, encore? Bon, quel vol. Quel vol incroyable, bien joué. Bien joué Molly. C'est mérité. Bah, par contre, je suis pas sûr qu'il va tenir longtemps le Nasser. Allons 82. Au sprint, il est pas dégueu hein, Warren au sprint, avec ses notes.
Ça retourne le cerveau ton truc, Tim. Hein. Bouddha avec la taxe. J'avoue qu'il est pas. Ah, il lance déjà. Non, mais ils sont fous. Non, mais là, par contre, s'ils tiennent, je demande à ce que les médecins viennent surveiller direct. Hein. Gros, c'est du 12%. Ils ont attaqué à deux bornes. Oh, Richie Porte qui tombe. Terrible. Non, mais Gauthier. Non, mais je suis mort. Comment il a tenu? Il va nous passer devant là. Oh, égalité. Oh, abandon! Bon, c'est Richie. Mais gros, ils abandonnent tous. Bon, bon, on va gagner sur, sur tapis vert. C'est ça qui est bien. Je suis mort. Ils abandonnent tous un par un. Parichi, étape 9. Oh la 8. Oh, c'était pas loin. Hein. C'était pas loin de la malédiction là. C'est vrai qu'on peut se servir de nacer en... pour rouler comme ça, on va. Abandon Richie, pas trop. Mais ça fait un abandon de plus quand même. Mais gros, ce grimpeur là, Nasser il serait passé en tête. Je vais même pas passer. Mais c'est un sketch hein. Cyril me vole des points. Non mais gros. Ok, c'est incroyable. En deux cols on vient de tout perdre. Oh Ellie, réveille-toi Ellie. Tu nous fais un beau début de tour, c'est pas maintenant que ça doit s'arrêter, Ellie. Ah, c'est terrible. Bon, Thomas et Daniel, voilà. Du coup, là, ça va partir sur du Colombie-Colombie, Italie-France. On connaît Rossa Bidon. Quand tu suis à tête, tu utilises moins d'énergie. Je sais pas, en fait, j'ai pris l'habitude de jouer comme ça, moi. N'essaie pas de prendre les points dans les Alpes. Non, mais je me fais pas de soucis. Après quoi, ouais. Mais les gars, si vous avez pas suivi, ce sera en fait avec Wawa, on se dirige plus vers un top 10 sans échapper aux côtés de Nero que. Quatrième ronde. 15 sur 17, putain, terrible. Tu me dégoûtes, hein, vraiment. Hein. Les trains ou derrière. Ça dépend de l'équipe que t'as. Si t'as une grosse équipe style Ineos Jumbo, les trains peuvent être bons. Après, genre, nous on fera pas des trains quoi. Vengeance du coq avec Cyril. Ouais, bah. Il a pas le niveau pour battre Nasser, du coup il utilise ses potes. C'est encore plus honteux. Surveiller quand même derrière, hein. C'est important. Il y a Alaf qui a l'air bon, hein. Il fait rouler toute son équipe. Possible. En fait, je démarre à chaque fois avec un cran de retard et du coup, ça me met dans la merde. Mais moi, je comprends pas comment il attaque 2,5 km alors que moi, pendant 800 mètres, je suis cuit. C'est ça que j'ai du mal à comprendre. Là, je vais pas. Voilà, là, il est cuit. Il a plus de rouge. Bon, Nasser, c'est terminé. Suivez les attaques. Mais j'aime pas jouer en suivant les attaques. C'est peut-être. Vous avez sûrement raison, hein, mais. Ok, on reprend les points, égalité. Je sais pas, j'ai l'impression que quand tu suis les attaques, tu perds ton rouge en 2 secondes alors qu'eux ils tiennent les deux bornes. Consomme 0 rouge. Ah ben. Toi, quand tu les suis, les attaques, t'inquiète pas que ça en consomme du rouge, hein. Sur les grimpeurs. Non mais Donati en fait il est là pour critiquer l'équipe. Le début tous ces messages c'est des critiques. Super. Suivi ou pas. Vas-y on va vous écouter hein, on va suivre hein. Bah bon. Non mais par contre gros ils attaquent à 5 bornes.
Là, y a pas de suivre, là. Comment je peux ça? Vous êtes des enfoirés. Pourquoi vous essayez de m'anticiper à 5 bornes? Vous avez peur de moi, quoi? Non, mais attends, c'est un... Là, on est caméra cachée, là. Ils me font quoi, les trois, là? Non, mais là, c'est vraiment une caméra cachée. Ils se sont retournés à 3 sur moi. J'attaque à 1 km. Mais moi, j'ai pris l'habitude de jouer comme ça, à gérer moi l'effort à chaque fois. Après, quand t'as une habitude, c'est dur de l'arrêter, hein. Bah ouais, là comme par hasard, il y a personne qui démarre, ça rend ouf. Mais normalement on tient là. Voilà, normalement on tient facilement et on va conserver ce maillot. Ils sont tous cuits. Et lui, il est trop fort en fait. Rossa est très nul aussi. Tête pot de jungle s'il fait mal, hein. Deux minutes. C'est qui lâché derrière là? Fougueule encore? Mais gros, il fait quoi comme tour? 25ème à 14 minutes? C'est une étape pour lui, ça en plus. Pas de surprise, non, ça va. J'ai peur qu'il se fasse lâcher quand il va chercher le bidon comme ça. Bon, ça tiendra pas. Vaut même mieux arrêter le massacre maintenant là pour Ellie. Ça ira pas au bout. Ouais, là, les gars. Et tout ça avec Warren, de toute façon, si en deuxième, troisième semaine, il y a beaucoup de points à récupérer. Surtout que les Gauthier et tout, ils seront plus là normalement. Et là, Pierre Latour qui remonte un peu. Ils sont cuits devant. Ils sont totalement cuits. Fougueule encore en chasse. URCF. Proche au général. Ça c'est pas de soucis parce qu'il a pas les notes pour incliter le maillot jaune, donc ça laissera partir quoi qu'il arrive, je pense. Bon, là on est bien là. Hein. Là on est très très bien. Ça a travaillé pour devant. Bon, ils sont en fringale donc ça va pas aller. Ok, on arrive à Saint-Etienne et ça lag. Il y a trois bâtiments à générer à Saint-Et. Elle est là. Steven qui va. Où il roule fort, je sais pas trop ce qu'il fait là. Bon, en tout cas, la côte elle pue un peu. Hein. J'avoue que pour faire des écarts, je pense que la côte de demain elle est mieux. Je pense qu'on va juste jouer la carte de Warren au sprint aujourd'hui, non? Je sais pas trop. Allez, 20 secondes. C'est jamais, faut tenter, hein, c'est Pino qui roule derrière. Laisse Creusweg se démerder là, hein. On est avec Alaf, il veut bien collaborer Alaf. Parfait. Alaf il collabore. Il sait qu'il a victoire facile au sprint. Bon là on joue une double chance et on a Barguil en soutien derrière au cas où. Allez Alaf.
Non, attends. Oh, j'ai mis une pause, je suis pas habitué, mais j'ai bégayé. Parce qu'il est en train d'attaquer là, le con. Oh, par contre, en descente, non, ça va, on va le suivre. Allez! On va le contrer. Attends. Je peux pas le suivre? Allez là. Y a 35 secondes, hein? Non, mais tu sais quoi, je l'emmène à la victoire, je m'en fous, mais au moins on prend de l'avance. Pas grave, hein, je l'emmène à la victoire. Oh oui! Oh oui, quelle victoire! Ah la fécouille! Nero! Mais gros, je commentais même pas, je pensais que c'était victoire facile! Il s'est effacé! Et on va reprendre peut-être 20 secondes! Oh là là, mais attendez, mais il était cuit! Eh, comptez les écarts, hein. C'est une étape vallonnée, normalement ça compte, hein. Il y a 25 secondes plus les bonifs, ça fait 35, hein! Julien, il était cuit! Il en a trop fait! Ah, normalement, c'est étape vallonnée, hein. Maillot vert, Nero. Troisième victoire! Nero en feu! Wawa powa, mais bien sûr! Nero, allez, comment ça? C'était inespéré, mais gros, je commentais même pas, je me disais, bon, on a roulé pour lui, en plus, on l'a emmené. C'est juste pour augmenter l'écart. Mon god, dans la descente, gros, il a cramé tout son rouge. Gagner la planche, on a gagné à Colmar, à la planche et à Saint-Thé avec Nero. Oh, les délais. C'est qui lui? Bah salut mon pote, hein. Les jaunes verts à pois. Victoire de Dieu, super. Si cette emote t'as vu. Ouais, boss avant il avait plus de rouge. Ouais, ça se voyait qu'il était cuit, mais je pensais qu'il en avait récupéré un minimum. Et normalement, là, c'est sûr, il y a une cassure, c'est étape vallonnée. Bah oui, monsieur! 32 secondes de reprise sur le maillot jaune et Nero Quintana est deuxième du Tour de France. À 19 secondes de Steven Kreuzweg. Julian Alaphilippe est troisième. Ah là là, Warren est neuvième pour le moment. Du coup, meilleur grimpeur, Eli reste leader devant Cyril Gauthier et Serge Pauwels. Le maillot vert est toujours pour Nasser, 21 points d'avance sur Nero Quintana. Et maillot blanc, Tadej Pogacar. Ok, meilleure équipe Arkéa. Mais Quintana à la place de Thibaut, c'est ça. Ton 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 ton. PCB, c'est. J'avoue, je sais pas. Aucune idée. Cycling Braise. Ah ouais? Ah ouais, parce qu'ils avaient pas les. Ah oui, non, de base, c'est vrai qu'ils avaient pas les licences dans le jeu de base. Non? Cheat, y a pas les leaders. Avec le tour quasi win. Mais comment ça, le tour quasi win? C'est pareil, Olib IRL. Ah ouais? C'est quand qu'ils avaient pas les. Non, c'est sur TDF alors qu'ils avaient pas les. Ils avaient pas le maillot, Yo Alex. Il y a plus Contador. Bon, les grands corps placés. Mais là, on est sur un début de tour. Incroyable, hein. Incroyable. Pourquoi il est passé de plus 5 à plus 4 alors qu'il est deuxième? Je ne sais pas. Bon, nouvelle étape de Vallon. Arrivé à Brioude avant deux étapes de plaine et d'attaquer les Pyrénées. Bruminator, bienvenue. Merci du follow, mec. Finir ce tour ce soir. On va. Oui, on va essayer. Normalement, oui.
fait combien de temps qu'on arrive? 2h30. Étape 9. Oh, ça va le faire. Salut Lucas. Connaissance peut-être. Ah oui, il y avait la reco sur l'étape de synthé. Je me souviens, il y avait l'étape de synthé et les Alpes. Chez qui pour l'année pro? Hirschi. Et dans les petits papiers. Il y a quoi? Il y a du Sénéchal. J'ai dit sponsor, c'est le maillot à pois. Il n'y a pas Bernal sur tournant, il a fait le Giro. Toun, toun. Ah ouais, il y a Faucon, qui aura un nom d'un sub du coup. Puis la victoire. Ah, deux nouvelles. On vient de gagner Saint-Té là, devant Alaph. Et du coup, on est deuxième du général. Ouais, je pensais. En fait, je commentais même pas le final parce que je me disais, bah, écoute, on va faire deuxième et on va reprendre des places, c'est bien. Encore mettre Ellie devant. Nasser plus 3. Oh là là! Quoi? Monaco! Qui lâche comme ça? 5 subs! Et c'est tombé sur qui? Sur Matisse, Reskay, Ben, Rambo. Mais c'est grave, il a une chatte lui, hein. Et Thomas! Oh là là, ben remerciez tous Monaco hein, dans le chat, hein. Merci beaucoup, frérot, ça fait plaisir. Gros, mais c'est chat Rambo, j'en peux plus. Il est dans tous les trucs, tous les concours, tout, tout. Il est tout le temps là. Ton, 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 ton. Tard de Nero, let's go! Oh là là, quel frère! Un frère, un frère, un frère. Merci. Ton, 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 ton. Rochette de Rambo, super. Ton, 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 ton. Ah, mais là, ça rince, là. Hein. En plus de ce tour, mais c'est incroyable. Coco Pops, merci du follow. Les Brandel qui suit, voilà. C'était ça qui manquait pour partir. Et maintenant, on est bon. Mais pourquoi vous roulez? Il y a Brandel devant! Ton, 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 ton. Passe un peu aussi, hein, frérot. Monaco l'oreille. Ah, vraiment, hein? Quel frère! Putain, on est quasiment 50 subs! C'est beau! C'est énorme! Merci beaucoup! Ton, 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 ton. Version les dieux du village. Puis qu'ils vont te sort. Maillot à pois. Tour déjà réussi. Là, vu comment on est Nero et chaud, on peut viser que rien d'autre que la victoire. Est-ce qu'il y a le petit Cyril? Cyril est appelé à l'accueil. Mais c'est pas possible. Il va me suivre partout. Pam, 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 pam. Putain d'F15, je te suis quand tu es comme ça. Merci beaucoup, Laïs. Ça fait plaisir. C'était Vanderpool, idiot du village. Super. Qu'est-ce que je fais? Je l'ai mis en auto. Really? Vas-y Poupou! Y'a Vas-y Poupou sur la route! On t'aime Poupou. Oh c'est beau. Ça c'est des trucs qu'on aime voir ça. J'ai jamais vu cette écriture. Suis des attaques dans les GPM. Bah là c'est du 15% quoi.
Oh là, je vais les rattraper un par un, non? Regardez que la pente s'élève. Il est au chou. Il est au chou, Cyril. Bon, par contre, de Powell, s'il est fort. Ton, ton, ton. Ta chaîne Twitch créée il y a longtemps après depuis quand on est passé sur Twitch. Ah mais c'est moi, m'a arrêté. Depuis quand on est passé sur Twitch en août. Non mais Nero, Nero il est trop chaud, il veut plus s'arrêter, je lui dis de se placer derrière, il veut pas. Terrible. Bon ça va hein. Je crois qu'on est plus de 15 devant, non? 11, 12, 13, 14. Oh, pour un point, frérot, on va pas se battre. Hein. Il est à la deuxième. Mais ouais, Daval. Powell se revient à 9 points, c'est pas grave. Après, Powell, c'est un peu meilleur, non? Bon, même pas. Même pas, même pas. J'ai l'impression que j'ai géré mal, je pourrais mieux faire avec Ellie. Hein. Et j'espère les efforts de la première semaine vont pas être fatales pour la deuxième et troisième. Donc on a déjà passé une journée de repos, je sais pas pourquoi ils ont mis la journée de repos là où elle était placée. C'est de suivre sur le prochain, vas-y. Après lequel parce qu'on est 13. Je pense qu'on va suivre Powell ça. On arrive chez Rominou. Son Pantani, aucun des deux. Allez. Mais quand je veux suivre, il y a personne qui attaque. Du coup, tu veux que je fasse quoi? Il se fout de ma gueule en fait, il me troll, c'est ça? Ah mais limite quand c'est un replat, je dois lancer giga. Non mais non. En fait, je gère mal c'est quand il y a un replat au-dessus. Quand il y a un replat, je lance gigato. Parce que j'ai l'habitude de lancer à aller 800 900 mètres, on va dire. Et quand il y a un replat, la barre rouge elle se vide en 2 secondes. Je suis un débile. Confiance à lui, on verra. Voilà, c'était tout plat là. Ça va être pareil le prochain. J'ai une goutte là. J'ai une grosse goutte. Prends des bidons à la colère, s'il te plaît. Dagboni, ils sont trop devant Sarah. En plus, ça accélère à ce moment-là, terrible. C'est pas beau, ça. Hein. En gros, il n'y a plus qu'une minute. C'est qui accélère, là? Ah, c'est pas beau, hein. Mais bon. Et du coup, je gère pas devant. Bon, vous comptez attaquer ou c'est encore moi? Bah, vas-y. Du coup, je lance Gigatar, là.
Bah bon, ça changerait, on n'a pas pris les points comme un mongol. Non mais c'est pas possible. En montée. Il n'y aura pas d'Alt F4 les gars, c'est le jeu en fait. C'est si on abandonne et on Alt F4, ça sert à rien de jouer en fait. Ça fait partie du vélo les chutes. Les gars, l'ordi elle Alt F4 quand Roglic abandonne. Non, c'est comme ça, c'est le jeu. C'est le jeu, il a décidé de nous faire abandonner. C'est comme ça. Ça rend ouf, mais c'est comme ça. Putain. Il était dans la forme de sa vie, le con. On te l'avait dit. Oh bah oui, en mode c'était prévu, c'est une chute. Vous êtes drôle, vous. Roglic, Bourman, Quintana, c'est terrible. En plus, on vient de tomber avec Warren. Du coup, il est cuit, tellement que ça a roulé. C'est... quelle catastrophe. Warren, c'est ton moment. C'est ton moment de briller, Warren. Porte tes couilles, Warren. C'est terrible. Je suis abattu. Gébert. Warren, ça va être ton moment de porter tes grosses couilles, mon Warren. T'es 9ème, t'es 8ème du coup. T'es qu'à 1,59. Putain, le chrono, on va prendre tellement cher, ça rend ouf. Je suis en montée. Vas-y, c'est. C'est pas grave, c'est le jeu. C'est le vélo. C'est le vélo, c'est le vélo. Ça rend ouf, mais c'est comme ça. Confiance en Warren. T'as gagné Paris-Nice, Warren. T'es en forme, t'as ton pic de forme. Va te donner, hein. Bon, là, par contre, victoire finale, j'y crois pas trop avec Warren. Mais si on peut lui faire choper un top 5 ou un podium, voilà, quoi. Bah oui, des Wawa Powa. On veut pas voir des Alt F4 dans le chat. C'est comme ça, c'est la chute. En IRL, Richie Porte, il fait pas Alt F4 tous les ans à la 9ème étape. Il tombe et il va à l'hôpital. Là, c'est pareil. C'est terrible, hein. C'est tomber en montée et abandonner en montée, quoi. Alors que tu t'es sur 3 victoires d'étape, t'es 2ème du général à 12 secondes, c'est horrible. Viens aider ton leader maintenant. Oh, ce coup de massue, c'est terrible. Ça restera un flop Quintana. C'est sur PC, mais alors? Non mais les gars, alors si... ah, mince, mon leader a une forme négative. Mince, mon leader est tombé, il a abandonné. Alt F4. En fait, on a Alt F4 jusqu'au moment où on a gagné. C'est con. C'est con comme mentalité, je trouve. Y'a Warren. Warren va porter ses couilles. Allez, mon Warren. On compte sur toi. Le chat croit en toi. Ce qui est bien, ils vont peut-être le sous-estimer aussi, Warren. Non, je sais pas. Allez, Ellie qui est là pour aider. Bon, les gras qui attaquent.
y va, rien à perdre, Balek, c'est bon. Allez, mon Wawa! Pas grand monde qui suit, hein. Pas grand monde qui suit, non mais toi, mais arrête! Voilà, 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 allez, casse-toi. Bon, les gras à l'AF. Geraint Thomas qui est derrière. Allez, on est avec Alaf. Refais la même, mais c'est pas le même Arkea, mec. Thomas qui roule en personne. Oh, t'es meilleur en descente, hein, passe, hein. Oh, par contre, tiens bon. Je pensais qu'il allait attaquer. Je me suis fait baiser là. Ils ont contre au bon moment, les salauds. Non, arrêtez. Oh bah super, je prends la roue du mec qui s'arrête. Ouais, bon, Alaf, cette fois-ci, là, on va faire deuxième, normalement, avec Warren. Alors là, ça a mis un coup un coup de mou au truc. C'est... Il y a un mec du top 10, là, avec Geber. Un From. Ouais, Gecko. T'as gagné la synthé. Nero. Parce qu'il me porte a déjà fait Alt F4. Putain, c'est terrible, hein. Bon, bah non, on va faire confiance en Warren et pas le choix, hein. C'est comme ça, hein. Roglic, Bourman, Quintana, c'est bon. T'es tombé tout seul, yes. Putain, il était dans la forme de sa ville, Nero, c'est tellement con. Warren 8ème à 1,53. Bon, on a toujours deux maillots sur les épaules, on a toujours un homme dans le top 10. Maintenant, ça va être l'objectif, hein. Le maillot jaune, je pense que ça va être très très dur, voire même impossible. On va pas se mytho. Mais si on arrive à le laisser dans le top 10, et... il a quoi ce connard? Nitnek, merci du follow. Oh oui, ne tourne mal, on va essayer, hein. Par contre, il va falloir avoir des bonnes notes, hein. Moi, ce qui me fait peur, c'est le chrono. Mais ça, c'est votre faute, hein. Depuis hier, vous me dites Quintana, il va abandonner, de façon. Vous me dites Nasser et Quintana, ils vont abandonner de toute manière. C'est de votre faute, vous portez l'œil, c'est grave, hein. Au lieu de le supporter. Aïe, aïe, aïe. C'est terrible. Bon, il est tombé en montée, ce con. Le maillot à poids. Bah non, on va viser un truc, hein. Il est dans une pique de forme, on sait jamais. Ça va que plus belle avec Wawa. Ça va être dur, hein. Parce qu'on a déjà 2 minutes de retard. Il y a le chrono qui va débarquer. Quintana a pris une photo avec Drake. Non, pas dispo, Diego.
La fameuse étape d'Albi. On va falloir se remettre dedans là, hein. Deux étapes de plaine. Luxation du coude, le Nero. Pam, 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 pam. Do, merci. Pam, 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 pam. C'est les mille en montée, ouais, mais bon. Bon, on repart sans héros, étape 10, Albi. Va falloir faire gaffe au rond-point. Je suis un peu dépité là, hein, je vous avoue. Va falloir se remettre dedans et trouver la motive pour faire un truc avec Warren, mais. Allez mon Nasser, là c'est pour toi. Plus 5 pour Nasser, ça ne donne qu'un petit plus 2, c'est une honte. Bah du coup Anacona protège Nasser, hein. D'ailleurs qu'a dit à Nero de tomber pour le rejoindre parce qu'il a trop de coups sur Pierre. Faire tout le tour, on va essayer, hein. Passe à droite au rond-point, n'oublie pas, t'inquiète. Dijon. Il est en train de partir en couille le tour là. C'est moi ou. Prends des bidons en revenant. Nero une des étapes au moins. Mais c'est encore plus frustrant, il avait la forme pour aller choper ce fichu maillot jaune. Bon, dans toute notre carrière, on fait deux fois deuxième avec Godu. Là, on est sur le point de, je sais pas, de tout niquer avec Quintana et. Et on se chope cette fichue chute. Et puis, tu vas à gauche, hein. Ouais. Il y a qui devant? Bon, il n'y a pas l'autre. En fait, il va quand je vais. Bon, on va essayer de choper le poids et le verre et un top 10, hein. Ça va être l'objectif maintenant. C'est Grolema qui va gagner. Mais là, le truc, c'est que niveau leader, il y a qui. En fait, Creusot, il est au-dessus de tout le monde, hein. Ouais, il y a Pogacar, Guérin et Pinot. Ah, la Fémolema, je les vois un peu en dessous, en montagne. Hirschi, je pense pas qu'il tiendra 3 semaines. Simon. Ah, Simon, en fait, il a pris qu'une cassure de 2 minutes, mais sinon, il est là, hein. Et il a chuté qu'il a pris 2 minutes. Bon, au moins, lui, il s'est relevé, il est à 2 minutes. Même si on prenait 2 minutes, au moins, on était encore là. Chance sans maillot. C'est terrible, hein. Imagine, on arrive aux chances. Si on arrive aux chances sans maillot et sans top 10, est-ce que c'est un tour réussi quand même? Oh, il y a les 3 victoires, mais. A abandonné Quintana, les gars. Oui. Non. Aussi? Gros, s'il abandonne aussi, c'est incroyable. Non. Ah, par contre, voilà, c'était le mauvais des deux. Non, mais c'est quoi ce tour? Oh, calmez-vous! De win. Bon, on a déjà 3 wins. Quoi qu'il arrive, pour une Conticro. Yes, on a les crocs. C'est bien.
On est déjà à 3 wins, mais... Fréquence des chutes, j'ai pas bougé, les gars. Mais j'aurais pu plus débloquer, laissez-moi tranquille. Oh, sans faux blanc montant, j'ai lancé beaucoup trop tôt, j'ai pas fait gaffe. Ouais. Thomas peut chuter 5 fois, il abandonne pas. Oh, bon. Tout le monde tombe et Nibali gagne. C'est vrai que ça ressemble à 2014, hein, tous les leaders. On a déjà perdu 3. C'est peut-être la chance de Thibaut, hein. Non mais, attends, je dis ça, Pino crève. Non mais moi, il se passe quoi au-dessus de mon jeu, en fait. C'est... C'est... Why? Terrible. Roule, comment ça roule? Là sur le tour il a abandonné aussi. Roglic, Bourman et Quintana abandon. Ah non, rouler pour l'échapper. Rouler sur les chutes. Ouais. Les portes, oui bon ça c'est pas important. Là par contre si on met pas en route maintenant, c'est terminé, hein, je vous explique. Peut-être quand même en laisser un avec Warren. Bon, il n'y a pas de vent là. Hein. Oui, il n'y a aucune équipe de sprinter qui... Bon, y a pas de vent donc Warren, pas de soucis. Pourquoi qu'une équipe de sprinteurs roule? Abandonne, comment se passe le tour? Bah, échappé, hein. T'en as abandonné, yes. Alors qu'on était deuxième, mais bon, c'est comme ça. Vas-y, ça me saoule. Tu les mets en relais dans l'antre, y'a personne qui vient. Oh les gars, réveillez-vous. Ce jeu, il est cassé. Non, non, réveillez-vous, hein, à un moment donné, je veux dire, moi je vais péter un plomb, me faire abandonner mon leader et mes équipiers, c'est des débiles. Bah, non, non, N-O-N-E-N-T. Ça revient, ça revient, ça revient. Allez, Nasser. Notre train est magnifique. On n'est plus que 59, hein. Pas de lâcher. Il pleut. Stoppez le jeu. Donne-moi un peu de bonheur. Tête de peloton, éviter les chutes. Viviane y lâcher. Allez, y'a Jakobsen. Allez, mon Nasser, donne-nous un peu de bonheur. Faut lancer maintenant, ça se regarde. Faut lancer maintenant. Donne-nous un peu de bonheur, putain! Du bonheur! Oui! Nasser! Oui, monsieur! Dis-moi où on est en train d'acheter sans sueur.
Gros, ça s'est regardé à un moment donné quand c'est rentré. Heureusement, il y a des lâchers de partout, c'est quoi cette étape de plaine? On nous a menti. Nasser ne gagnera pas sur le tour? Bah, je crois bien que si, hein. Il est au coquard, et coquard, il est au chou, il est trop nul. Voilà mon Nasser. Quatrième victoire. On n'est qu'à la dixième étape. Il y a Toulouse juste après. Ton, 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 ton. Ceux qui ne respectaient pas Nasser, voilà. Qui ont respecté Nasser, voilà, merci. Oh, maillot vert, on se met bien. Hein. Maillot vert, on se met très très bien. Hein. Mon Nasser, il me fait plaisir. Hein. On en parle du mode facile. Comment ça, le mode facile? On est en extrême, wesh. Tour de France, yes. Ça me rend ouf hein, de voir ce message là. Quintana blessé, putain. Terrible. C'est monumental, c'est la suite. Vas-y, arrête de dire ça, Tira, tu mets la haine. Je suis à 3 km des champs. Qui vont envers ce Nasser. Bon, 11e étape, Albi Toulouse, nouvelle étape de plaine. Ensuite, on aura l'arrivée avec la descente là du. Je sais même plus comment ça s'appelle, j'ai la haine. On est Coquard en maillot vert. Coquard, il a 0 points en maillot vert. Il n'a pas participé à un seul sprint. Même sur les étapes de plaine, il est lâché du peloton. Il n'a pas d'accel. Mais c'est normal, ils n'ont pas suivi. Ça s'est regardé. Barguil au maillot jaune. Pas trop, mais bon. Si j'y crois pas, qui va y croire? Mais j'avoue, c'est vous qui mettez la poisse, hein. Adi Regnier, il va abandonner, il va aller tchic-tchac. Pourquoi vous faites ça? Oh, Nasser Nchoukamendish. J'ai quand même eu peur à un moment donné que l'échappée aille au bout. Hein. Arwen! Tu finis live à la fin du tour. Faut qu'à abandonner. Non, si. Mais il est juste mauvais. Ah oui, il a abandonné. Quelle merde, chè. Nul. Panache, mon petit, on veut jaune. Ah, mais c'est que je pense, déjà on a 2 minutes de retard, après le chrono on en aura au minimum 4, je pense. Et un CM, comment tu fais? Bah je sais pas, mais ça arrivera pas vu qu'on a passé de chrono par équipe. Oh, sois plus belle et cochon, tu mets une musique triste. Le DS fait un discours et tout le monde chiale. Super. Ça va être dur, hein, on va tout donner avec Warren. Hein, mais si on arrive à le faire gagner au sommet du Tourmalet, déjà ce serait magnifique. Un même niveau, un même destin. Putain, c'était son année. Hein. C'était son année à Nero pour le tour. C'est triste. Il me fait de la peine. Avec le coq. Bah gros, ça fait des jours et des jours, vous me faites chier avec votre coq en me disant, il va te fumer sur le tour, il a pas participé à un seul sprint, il est tellement nul, il participe pas au sprint, il se fait lâcher avant, même sur une étape toute plate. Moi j'y peux rien, moi, votre coq. Je le respecterai s'il participe au moins à un sprint, même s'il fait 13ème, il aura participé. Là il participe même pas, il est mauvais, il est dans les choux.
Mais moi, pour Bannière de Bigorre, j'ai envie de tester un truc. Hein. Ça peut paraître fou, mais j'ai envie de tenter de voir Rennes dans l'échappée. Parce que ça tombe, il le considère pas comme l'un des favoris, peut-être le jeu. Je sais pas. Ouais. Bon, ouais, c'est une idée un peu comme ça. Allez, il y a encore pas mal de points à prendre là pour le maillot. Pas de ma faute s'il y a, gère pas les sprints intermédiaires aussi, regardez. On est passé deuxième, ce qui fait que par point, on a 50 points d'avance, c'est bien. Fera sur une vraie course, Little Bébé Sèche. Normalement, on dit qu'on est Rousseau Bouddha. Même pas Bouddha, on avait Mickey, on avait une personne, je crois. Van Mark, Van Avermaet. Mais c'est quoi cet échappé? Van Mark, Van Avermaet. C'est beau? C'est Crécieux qui l'a poussé Nero parce qu'il a eu peur. Ah, c'est possible, hein, tu crois? T'es pris sur la Volta, non. C'est qui est dommage, hein. On pourra même pas se venger sur une Volta ou quoi. Terrible. Allez, dernier bidon de la journée. Avant l'arrivée à Toulouse et avant d'attaquer les Pyrénées. En vrai, c'est assez valorisé le final là, hein. Faire gaffe. Hein. Pam, 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 pam. La série nulle comme il gagne. Donc tous les sprinters sont toujours sur le tour. Bah voilà. Respectez Nasser maintenant. Du respect sur son nom. Nasser, meilleur sprinter français de l'histoire. Hein. Je pense qu'on n'a pas peur de le dire. Hein. Christophe. Ok. Ça lâche et ça tombe. Hein. Betchol, Fugel encore à terre. Fugel, c'est pas son tour. Hein. Après, est-ce que c'est mieux d'avoir son tour ou abandonner? Bonne question! Et il est sur tous les fronts, hein. Il lance les sprints, il fait tout. T'es Queen Nero, ce qu'il aura fait win. Dur pour le maillot vert. Tu sais qu'on vient de gagner, Léon. Je sais pas si t'as vu l'étape, mais on a 60 points d'avance. Ah. Mais gros, il y a que des abandons, on va finir à 60 le tour. Par contre, Barguil, merci. Mes Bouddha maintenant. On va reprendre l'échappée là, Van Avermaet et Van Mark. Ouais là mon pote. Là ça peut écarter des petits sprinters hein. On a cramé ma clay. Terrible. Eh, des sprinters sont un peu à la ramasse là. Hein. Allez Daniel, lance quand même pour Nasser. Allez mon Daniel. Peut-être lancer un peu tôt le poisson pilote. Mais Nasser est très très bien emmené encore une fois. Allez mon Nasser. Ah ça va pas tenir. J'ai lancé trop tôt. J'ai un peu déconné. Dommage. Sagan devant Démarre, Jakobsen. Oh, on est loin, putain, pour le maillot vert, terrible. Bon, il n'y aura pas d'écart, ce tout là. Oh, tant pis, hein.
Ça arrive. C'est pas grave, Nasser. Techniquement, je pense qu'on garde quand même le maillot. Mais il va revenir. Nero aurait gagné. Oh, vas-y, c'est trop chiant, Léon. C'est déjà assez dur, Léon. Arrête de me parler de Nero. Pas enflammé. Je lançais un peu tôt, hein. Et ouais. Coco aurait gagné. Je peux pas dire ça alors qu'il était sur le tour et il l'a jamais gagné. Oui, Tom. Ils me disent d'Alex, non. Enfin, j'ai vu qu'il arrivait, mais j'ai pas été voir. On avait l'air costaud, mais Nero, il était trop fort. Ça met la haine. Général, ça bouge pas. Molema, c'est sur le podium du tour, hein, quand même. Je pense qu'on en parle pas assez. Nasser, oh là là, 9 points. 9 points d'avance sur Sagan. Bon, après, il y a 70 points avec Demar.